Tu vas mentir, c'est moi qui manque. C'est moi qui manque. Ça part, et rends-moi l'autre là. Mon petit bébé. Ça va. Ça va. Pourquoi tu es triste comme ça? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est quoi? Je réfléchissais sur... Chérie, tu réfléchis sur nous comment? Qu'est-ce que tu veux finalement? Je t'ai dit que les choses vont changer. Pourquoi tu te comportes comme ça? Quelles choses vont changer? Tu peux m'expliquer ce qui va changer? Attends, si j'ai eu les problèmes au travail, c'est pour un temps. Ça va s'arranger. Il y a quoi? Qu'est-ce que je fais avec tes problèmes de travail? C'est pas ça ma priorité maintenant. Ta priorité, c'est quoi? Dis-moi un peu. Est-ce que tu ne constates pas Je n'arrive pas à prendre soin de toi. Je ne constate pas quoi? Que tu es de plus en plus distant. Mon amour, est-ce qu'un homme foiré peut rester vraiment tout le temps à côté d'une femme? J'ai aussi honte parfois. Et quand on est foiré, on n'entretient plus des relations intimes avec sa partenaire. Ouais, chérie, écoute un peu. Je t'ai dit, à force de réfléchir, je suis tellement stressée. Il faudrait que tu me comprennes. J'aimerais bien entretenir ces rapports-là, mais rappelle-toi la dernière fois ce qui s'est passé. J'ai eu un coup de mou. Tu m'as secoué, fatigué, rien. Je n'ai pas réussi à me mettre en érection. Je t'ai dit, je travaille trop. Les chantiers que je fais là, je monte et je descends. Où on ne nous paye même pas grand-chose. C'est à cause de tout cela. Maintenant, si tu n'étais pas là, je ne sais pas ce que serait devenu ma vie aujourd'hui. C'est toi qui fais tout, c'est toi qui me donne à manger et tout. La preuve, me voici assis ici. Tu m'as demandé de venir manger le haricot que tu as cuisiné. Tu penses que je suis en fer. Ce que tu fais là, c'est me pousser à aller voir ailleurs. Attends, et quand j'irai voir ailleurs, tu vas monter, descendre pour dire comme s'il quoi te plaît, je suis une infidèle. Non, ne dis plus jamais ça. Mais d'après toi, qu'est-ce que tu voudrais que je dise? Une idée pareille ne devrait même pas traverser ton esprit. Ah bon? Oui, ça c'est. Alors remplis tes formalités. Mais je vais le faire, je Mais t'ai tu dit... vas le faire quand? Ça fait déjà 2 mois, tu ne me touches pas. Tu penses que quoi? Chérie, tu as totalement raison. Mais tout compte. Je ne suis pas un caillou. Mais écoute un peu, qu'est-ce que je t'ai dit la dernière fois? Je t'ai dit, dès que je trouve le travail, tout ça ira bien. Mais attends un peu, tu n'es pas un invalide. Que dès que tu trouves, c'est quand tu as le travail que tu es censé être en érection. Parce que c'est seulement quand tu travailles que tu te lèves. Parce que je suis complet à ce moment-là. Mais pour le moment, je ne le suis pas. Donc je dois comprendre que si toi et moi se marie aujourd'hui et que la vie bascule, que subitement, demain après demain, tu n'as plus d'argent. On n'aura plus jamais de rapport sexuel, c'est ça? Écoute, chérie, on va faire simple, n'est-ce pas? Tu t'en vas me servir ce que tu as fait à manger. Et je vais voir dans quelle mesure revenir ici en soirée. Je pense pertinemment que tu as aussi je raison. Je connais déjà la suite. Non, bon, je viendrai. Si tu as un problème, je faut viendrai. Me dire. Quel problème? Et qu'on cherche comment te soigner. Attends, arrête un peu ça. Quel problème? Parce que d'habitude, je ne te fais pas l'amour, je te fais bien l'amour. C'est quoi le souci? J'ai juste eu un coup je de mou. Je dis juste que fois. Ça fait 2 mois. Non, mais ça va aller. Ce n'est pas comme si je ne Est-ce que tu pas. Allais choper quelque chose? Non, non. Loin de là. Loin de là, mon amour. Voilà ce qu'on fait. Fais à manger. Fais-moi à manger. Et puis voilà. Tu m'inquiètes de jour en jour. Non, j'essaierai d'en soirée. Je te dis, je réfléchis beaucoup à ton sujet. À cette allure, tu vas me pousser à prendre une décision que je ne devrais pas prendre. Je pense tout au moins que ta décision, ce ne serait pas d'aller dehors, voir un autre. S'il te plaît. Parce que moi, pour je ne pas vois te pas tromper, l'autre. Peut-être que je vais te quitter. Je pense que ce sera mieux. Non, mais tu sais aussi que moi, je ne vois pas quelqu'un d'autre. Hein. D'accord? Je ne suis pas avec toi à longueur de non, journée. Non, je suis je fidèle. Ne te suis pas quand tu sors. Baby, donc, je ne sais tout, pas ce tu que tu combles, fais. Tu moi, combles. Je suis par contre toujours à la maison. Je te dis donc que tu me combles. Tu as tout ce que j'aime. Tout ce que je veux d'une femme. Ok. Moi, j'irai faire quoi ailleurs. Tu me donnes tout ce que tu me donnes là. Et puis, moi, je m'en vais faire quoi ailleurs. Viens me servir à manger, mon amour. Ça va reprendre. Un jour, j'aurai encore la possibilité de voilà, j'aurai la possibilité de travailler. Donc, dans tous les cas. Mais juste une petite partie. Hein. Le soir, je vais voir comment finir le reste. Mais juste une petite partie. Voilà. C'est tout. Voilà. Waouh. Et ça, c'est un plat que j'aime bien. Tu le sais. Très bien.
Pourquoi tu t'en vas t'asseoir loin de moi? Viens t'asseoir ici. Non, il faut que je te... Non, je dois bien te regarder. Mon amour, tu ne me donnes pas l'appétit quand tu fais ça. Viens t'asseoir ici. Je ne m'assois pas là. Je me dis, tu ne veux pas que je mange. Pourquoi? Bon. Est-ce que c'est quand je suis assise là que tu manges? Je suis à côté. Pose même une... Allez, je pense qu'il lit les gens des câlins. C'est voilà, ce que je me plains aussi. Ce dont je me plains aussi, lit les gens. Ce dont je me plains là, ça lit aussi les gens. Ça renforce une relation. On va faire simple, d'accord? Regarde-moi. Regarde-moi. Déby, j'ai fini de manger. Je vais voir un ami là rapidement. Il a promis de me faire rencontrer son directeur là. Pour un certain travail, si je trouve ça c'est bon, et puis le soir je reviens, je te promets de venir dormir ici. On va faire l'amour toute la nuit, d'accord? Comme on l'a souvent fait par le passé, on va le faire, t'inquiète. Est-ce qu'on achète la poudre dans le sac? On n'achète pas la poudre dans le sac, j'attends sur le terrain. D'accord, mon amour, et viens de manger et on se voit ce soir. Bon, comme je suis même bon. Mais dois rapidement aller voir mon ami là. Ce qu'on fait est simple, d'accord? Je vais d'abord le voir. Prends ça, tu couvres. Et reviens le soir. D'accord? Et viens manger. Et mets-toi dans ta plus belle nuisette là. Tu vois un peu? Ta nuisette qui laisse toujours transparaître tes belles formes là. D'accord? À ce soir, mon amour. Arrête alors. Un petit sourire aussi là. Je vais prendre le temps pour un travail. Souris quand même. Bon, moi je vais m'en aller alors. Les hommes s'arrangent à épanouir leur femme sexuellement. Tu es là, tu es là. Ma machine de guerre est toujours en place. Et ce soir, ça va battre du bon boulot. D'accord? Je vais rapidement là. À tout à l'heure. Hein. Je ferais mieux de te rattraper. Parce que cette relation ne tient plus qu'à la vie. Qui va là? C'est moi, copine. Entre, c'est ouvert. C'est comment? Ça ne va pas. C'est quoi? C'est quoi cette mine là? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu es tellement chaude là, on dirait que tu vas exploser, c'est quoi? Ce que je viens de vivre là. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas si souvent certaines personnes sortent de chez eux. Après, je ne sais pas. Ils viennent faire du n'importe quoi. C'est mon travail. C'est mon travail. On peut jouer avec le travail de quelqu'un comme ça. Hein? Qui t'a encore fait quoi? C'est parce que déjà que tu chauves, c'est comme si c'est avec moi que tu avais ce problème. C'est quoi? Qui joue avec ton travail? Je sais que c'est pas facile, c'est dans quoi tu fais. Attends, quelqu'un t'a méprisé, t'a insulté, je sais pas. Mieux, maman me méprisait même. J'ai tellement placé ma chambre tranquillement. Le bon monsieur est venu, oh, il finit d'abord de bien négocier le prix. Donc, il discute d'abord le prix jusqu'à ce n'est pas bon. Ah, c'est un client qui est venu te déranger. Mais ça, finalement, on a déjà accepté. On s'entend, non? Oui. On part dans la chambre, c'est le gars qui ne me laisse pas. C'est comme si, donc, je ne sais même pas le quand je vais le tuer. Ça fait même déjà 3 mois, le gars n'a pas vu la femme. Donc, il avait la rage. Merde. Après, on va discuter le prix. Oh, fais comme ça là. Mets ton pied comme ça. Non, couche-toi comme ça là. Hé, c'est comment? Ce qui m'a fait, maman, ressortir à me renverser, faire les trucs. Je sais. Donc, j'ai même regretté que si je savais que c'était comme ça. C'est que je donnais mon prix, je calesse mon prix, je ne changeais même pas d'assez. Ce que le gars là m'a fait, maman. Oh! Il dit que je priais seulement que pardon, le temps finit. Que son temps finit, il part, il me laisse. Ah. Donc, c'est même pas le genre que non. Dès qu'on arrive seulement, il me pousse le lit, il se déshabille, il me déshabille. C'est à quoi? Donc, le gars n'a même pas les préliminaires. Ah! S'il connaît, si ça existe même dans son dictionnaire. Oh, oh, rien. Seulement, vous faites comme ça, pas comme ça. Oh, accélère. Hey.
J'ai la voiture. Oh, maman. J'ai la voiture jusqu'à Tchad. J'espère quand même qu'il a son pays. Hey, maman, pardon. Tu anxies comment? Le gars n'a pas payé. Il finit là, il me dit que non, il n'a pas l'argent. Et toi, tu dis que tu as fini de discuter. Je suis même tombée à ton prix. Maintenant, tu me dis que tu n'as pas l'argent, ça veut dire quoi? Attends. Si je comprends bien, toutes les positions que tu as eu à faire là sont parties dans Londres. C'est un job. Éteins comme tu m'entends. Donc, c'est fini. Ça, c'est l'histoire là, c'est l'éteint. Oh, donc, je suis dépassée. Je dis que j'ai fait les problèmes là-bas à pile. Tu as sorti toutes tes piches. Maman, tes coups de même les coups de rein, même les piches que je ne connaissais pas. Ou ces positions à réunion, ou ces positions quoi, maman. Tout fait. Maman mia. Donc attends, c'est quoi qu'il avait là dans son compte? Ou bien. Donc il n'avait rien ni dans le compte ni en espèces. Le gars a dit qu'il n'a pas l'argent. Donc il n'a pas l'argent. Il n'a même pas mentionné le compte. Qu'un compte, même pas mentionné que son téléphone n'a pas l'argent dans le dépôt. Rien. Il n'a pas. Il a seulement dit qu'il n'a pas l'argent. Donc le gars vient de te chevaucher comme ça là. Maman. Gratuit. Verte. C'est que je vois même seulement Jésus. Donc c'est je vois seulement genre, ça. J'ai crié là-bas, crié que au voleur. Et vous avez fait comment? Il est parti. Bon, attends, vous arrivez, vous pouvez partir. Quand je dis que j'ai donc appelé tout mon secteur que venez, voilà quelqu'un qui fait, il ne veut pas payer. Ou on l'a amené au commissariat. Non, là c'est bon. C'est qui tu il est resté là-bas, non? Arrivé encore au commissariat, il dit encore qu'il n'a pas l'argent. Donc ça ne les prie même pas dans la tenue là. Donc ça ne lui dit rien. C'est genre, il s'en fout, il n'a pas l'argent. Lui, il a fini de flamponner, c'était bon. Tranquille, n'est-ce pas? On a demandé sur ta carte nationale, lui, il a la carte. Mm-hmm. On a sa carte, on m'a donné. Tu connais comment ici, pour faire la carte d'abord, tu me donnes même ta ligne. Attends, on t'a donné comme quoi, quand il va venir payer, oui, il va récupérer. Il va récupérer. Tu as, il a pris ton numéro pour te contacter, non? Oui, il va sur sa carte, non? Ça, j'ai gardé, donc tu vois comment j'ai caché ça. Attends, je ne comprends non pas. Je ne comprends pas. Je ne blague même pas. C'est, si je comprends bien, il a donc pris ton numéro qui va t'appeler quand il aura l'argent ou bien. Oui, il a pris mon numéro avant. Donc je te dis qu'au début là, c'était quelqu'un de posé. Tu vois une vraie personne là. Il cause bien, oui. Comme okay, un capot. Donne-moi ton numéro. Je t'ai dit. Comme ça, prochainement, on va toujours se voir et tout. Maman, si il perd mon numéro, il m'en faut même chercher. Mais il a mon numéro, l'esprit connaît où il m'a pris. Mais c'est là-bas où je vis. Non, je ne sais pas. Il faut demander que la pile est où. Non, il doit se rencontrer avec une personne comme moi qui a déjà eu 2 mois sans. Non, c'est là. N'est-ce pas? Maman, normalement. On allait se faire ça jusqu'à. Peut-être on allait finir seulement la mort. Hey, qui me donne le genre là? La rage qu'il a, la maman, j'ai la rage là. Maman, j'ai dit que je n'ai pas senti. Donc ma vie passait comme ça. Tu sentais comment tu vibrais? Hey. Tu n'avais plus les pieds sur terre. Bah non, je n'ai jamais atteint l'orgasme. Maman, j'ai atteint. Maman, tu parles comme s'il faut que je cherche le gars là. Quand il va venir te dire, qu'il va venir récupérer sa carte, il faut qu'on se mette en contact. Moi, il ne veut pas l'argent. Moi, il veut juste la femme. Donc, moi. Je veux un gars compétent. Mon gars commence à me douiller les nerfs. Oui, maman, moi je suis fatiguée. J'ai déjà mal à la tête. Oh. Moi je suis là, je ne veux plus. Pardon, je ne veux plus. Je veux un gars qui a déjà aussi mis long que le camp veut tuer comme ça, veut me tuer là. Je ne suis pas dehors pour faire ça, je suis dehors pour chercher mon argent. Il travaille mon argent. C'est comment quelqu'un veut te torturer. À moins que tu payes bien. Tu peux même faire comme ça, tu payes bien. Quand tu me tortures, tu payes bien. Non, oh, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que tu sais que nous, on n'a pas la même. On n'a pas les mêmes envies, on ne cherche pas la même chose. Moi, je cherche juste un bon couilleur. Toi, tu cherches un bon couilleur. Tu vois que. Voilà. Mais ça va aller. Comme tu as déjà eu à prendre sa carte, je pense qu'il ne peut pas rester sans carte. Et que d'aller dépenser encore pour faire la carte. Attends jusqu'à ce que ça sorte. Toutes les difficultés qu'il aura, il va venir prendre. C'est rien. Donc, sois sereine. Ça va passer. C'est comme ça. C'est que ce sont ces risques, c'est tout ça les risques que je me dis. T'as dit qu'il revenait, non? Voilà qu'il est revenu, je suis dans la chambre. Ce sont les risques que je me dis, ça va passer. Quand tu fais un travail, il faut aussi t'attendre. C'est qui? Qui ça, tu le connais? C'est mon gars, ouais, non? Tu n'as jamais eu à rencontrer mon gars. Oh Seigneur Jésus, oh, c'est 99 jours pour le voleur, un seul jour pour le voleur. Le gars, c'est là. C'est lui. Le gars dont je te parle depuis là, c'est lui là qui vient d'entrer. C'est là. Oh, je ne veux pas devenir folle.
C'est quoi, Alice? Alors, je ne fais pas une pareille blague. C'est quoi? Donc, toi, tu penses comment je joue à mon travail? Peut-être que tu le confonds juste. Donc, quand il te dit que les gens jouent mon travail, toi aussi, tu veux jouer mon travail? Non, j'ai dit que peut-être c'est juste. Je t'ai dit que c'est lui. Déjà, c'est le quelqu'un te paie les trucs comme ça, comme tu viens de te dire là, tu l'oublies. Tu l'oublies? Ah. C'est lui. Pardon, va me l'appeler, pardon. Tu es sérieuse? Que c'est mon gars dont tu parles là? C'est lui? Cristal, pardon, je ne veux pas m'énerver. Hein? Attends, montre-lui. Montre la carte, je regarde bien là, plutôt là. Parce que je n'aime pas ça. Quand mes nerfs sautent comme ça, là, prends. Hé! Hey! Vrai. Merde. Pardon, je ne veux pas avoir mal à la tête. Je ne veux même pas ticter où je suis placée ici, là. Je ne veux pas. Bon, Rob fait ça. Il n'y a pas le moment de Rob faire ça. Il faut l'appeler. Rob. Oui, chérie. Tu veux dire que tu n'entends pas comme je t'ai appelé là? C'est quoi? C'est la guerre? Faut venir, s'il te plaît. Oui. Ça s'est bien passé où tu étais? Oh oui, mon ami, ça va, je l'ai laissé là-bas. Ça va, tout s'est bien passé. Ça va là où vous êtes allé pour le rendez-vous d'embauche? On n'a pas pu rencontrer le directeur là. Comme à un moment donné là-bas, il a dit qu'il était un peu fatigué, on ne pouvait plus le voir. On s'est dit on va le rencontrer demain. Ah, demain? Oh oui. C'est ça. Vous allez quand même remplir les formalités. Cristal, mon cœur chauffe. Oh oui, ça va. Mon cœur chauffe. On a rempli. Il peut rentrer, ça va. C'est quoi pour la face de gratte? Il y a un truc dans l'œil. Donc quelque chose est entré dans mon nez, chérie. Quelque chose est entré dans mon nez. S'il te plaît, j'avais un peu besoin de ta carte. Je voulais vérifier un truc sur le net. Ta carte d'identité, en fait. Avec ma copine, là, on va voir un truc. J'ai laissé ça chez le directeur là-bas, donc chez le gars qui doit m'amener chez le directeur. Je lui ai donné sa chambre. Attends, comment... Je vais dans la chambre, attends, on va aller. Comment est-ce que tu peux aller laisser ta carte? Et toi, tu vas marcher comment? Donc, juste à ce qu'on te recrute ou bien qu'on t'appelle, même si ça fait un an... Il doit faire les photocopies. La police ne va pas te stopper. Non, il fait les photocopies. Mais il fallait faire la photocopie, tu laissais, non? Cristal! Chérie, dans la nuit, oh. On ne pouvait pas faire. Bon, je vais dans la chambre. Non, monsieur. Je pense que j'ai retrouvé le directeur, le monsieur qui devait remplir les formalités et je suis rentrée avec ta carte. C'est elle ici. Comment ça? Regarde, non? Regarde. Non, ce n'est pas ma carte là-bas. Ma carte est avec mon type là. Regarde, voici ta carte d'identité. Donc, en principe. Voilà le monsieur qui devait remplir des formalités. Donne-moi mon argent. Si c'est pour l'argent, donne-moi mon argent. Non, j'ai un autre problème. Ça dépasse l'argent. Si c'est pour l'argent, ouais, chérie. Laisse. Mets ça dans mon compte. Je vais payer. Chérie, non, il n'y a pas de chérie. Merde. Ça fait combien de temps que tu n'entretiens pas sexuellement? Merde. Ça veut même dire. Je veux que tu me répondes toi-même. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais, il t'a dit qu'il revenait ce soir. Tu vas me répondre? Il t'a dit qu'il revenait ce soir. Ça fait combien de temps que tu ne m'entretiens pas sexuellement? Chérie, je t'ai dit, on est à deux mois. Je te demande! Nous sommes à deux mois. Ok. Nous sommes à deux mois. Je t'ai dit que l'on va me tuer. Deux mois, jour pour jour. Allons dans la chambre. Mon nom ne me touche pas. Tu comprends? Comme il n'a pas le travail, il n'arrive pas à bander, il ne s'en sort pas, sa tête réfléchit. C'est qu'il aura le travail que ça va se lever. Donc, comme ça. Mon amour, s'il te plaît. Donc, quand veut me tuer, tu es là. Tu préfères aller te sucrer chez les prostituées où tu payes. Où tu es censé payer pour le sexe. Alors que je vais te donner gratuitement. La carte, peut-être la carte là est tombée, elle a pris ça quelque part. Regardez-moi le malade. Tu vas mentir, c'est moi qui manque. C'est moi qui manque. Ça part, regarde-moi l'autre là. Quand tu me faisais faire ça, fais ça. Un voyou comme ça. La carte est tombée là, j'ai amassé ça quelque part. Mako, ça là. Vous voyez, non? Vous voyez comment les gens sont? Donc, comme ça, je me bats. Je sais que mon homme n'a pas l'argent. On vit avec mon petit salaire. Quand je prends mon salaire, j'envoie ta part. Je reste aussi avec un peu.
je prépare ici, tu viens manger tous les jours que Dieu a créés. Parce que je sais que mon gars n'a pas l'argent. Et maintenant, on a connu un problème. J'ai dit à mon homme ici ce matin que si tu sais qu'il y a un problème là-bas en bas, qu'on peut résoudre, dis-moi, on cherche la route. Non, il a tout dit que c'est le travail. Tu vois comment Dieu fait ces choses. Est-ce que tu vois comment Dieu fait ces choses? Les enfants de Dieu ne souffrent jamais. Est-ce que j'ai fait l'amour avec Elle fait l'amour avec toi. Ça veut dire quoi? Oublie-moi! Ça veut dire quoi? Eh bah, sors! Pourquoi? Je vais là-bas! Sors! Pourquoi? C'est quoi? Pour elle? Donne-moi le malade! J'ai fait quoi avec toi? Elle n'a pas de problème! J'ai fait quoi avec elle? Elle n'a pas de problème! J'ai fait quoi avec toi? Elle va te donner! Non, donnez-moi ma carte! Ça ne me l'est pas! Donne-moi ma carte! Regarde-moi, je suis malade, un bas du pied comme ça là. Il fallait rester. Il fallait te lamer ici. Ma chance. Regardez-moi les gens. Je souffre et dis que je suis fidèle. Oh, comme mon gars, ça ne va pas. On va arranger. Ça, c'est bien. Alors que lui, il va payer, il s'envoie à l'air. Moi, je suis là. Il me connaît, on s'est ramassé sa carte. Attends-moi. Ma passe en bas dans mon secteur, les voix de mon je vais les envoyer sur toi. S'il te plaît, oublie ce qui s'est passé au juste. Attends, je viens. Aïe! Quelque chose de malheur est bon. Un sapin. Je ne veux pas connaître. Moi, je sais que tu fais souvent le coup à 1000 francs. Avec tout ce que tu disais là, je ne sais pas combien ça a fait prendre. Même s'il y a la monnaie sur sa carte. Je peux comment? Il parle avec sa carte. Non, donne-moi. Tu parles comment? Donc, tu m'as encore le voir. Non, pas le voir. Il va me payer tout ce que j'ai déjà eu à lui donner dans ma vie. Donc, comme il a l'argent pour aller payer les coûts là, il n'y a pas de problème. Attends, ma comment ou pas? Non, merci. Au revoir. Vraiment, la vie, c'est... Voilà ce que la vie me donne. Je ne sais pas comment il faut faire. J'en ai même marre. Oui, il faut qu'il me suicide. Je suis fatiguée. Ah,